Qui a dit que le diable, il n'existait pas? Cette enquête aurait été très compliquée. Vraiment. Mais comme vous avez l'air d'être cool, je vais vous en parler. Ok, alors, c'est bien, on commence le jeu sur la machine à café. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Americano, un mocha, un cappuccino, on va partir sur un chocolat, un petit. En fait, c'est... Alors oui, putain, les commandes sur ce jeu sont relativement chiantes. Je suis plus haut que la machine, en fait, il faudrait que je sois plus bas. Voilà, je vais essayer de recalibrer un peu le machin. Je suis toujours trop haut. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc ça c'est... Merde, j'en ai foutu partout, putain. Ah, café de merde. Alors il faut savoir que mon niveau d'anglais est approximativement de 0,2. Donc ça va être relativement chiant pour moi de comprendre ce qu'il faut faire. On va faire ça avec. Alors, les ions VR se décomposent en plusieurs épisodes. C'est-à-dire que là, j'ai pris en gros le packaging plus ou moins complet. Et donc, j'ai accès à tout ça. Si vous prenez chaque épisode séparément, évidemment, ça vous fait donc 5 trucs à prendre en tout. Alors, chapitre 1, First Rite. Bref. C'est passé un truc chelou visiblement dans une église qui est putain de sombre. Ok. Alors, pièce à conviction numéro 1. Visiblement, c'était une croix. Ok. Oh. Ah ben voilà, je ne suis qu'ombre chinoise. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Non, je rigole. Alors, c'est des trucs assez... Pièce à conviction numéro 2. Il faut que j'ouvre la porte, c'est ça? Après, elle bouge toute seule, la porte, en fait. Déjà, ça commence mal. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. On a des têtes de cochon. Et on a le prêtre qui est visiblement mort. Oh, la musique. Je n'ai rien compris. C'est de l'huile, c'est ça? Ok, pièce à conviction. Si je lâche, ça fait quelque chose si je lâche? Oui, évidemment, ça fait quelque chose, donc il faut que je tienne ça en main en permanence. Je suis ravi. Ok. Ok, ok, pièce à conviction numéro 4. Ah, de là. Oula. Holy water. Ah, c'est de l'eau bénite. Mais j'en gratte quoi? Je les mets où? Est-ce que je dois combiner des trucs? Comment ça se passe, en fait? Parce que je vais pas rester avec ça dans les mains pendant tout le jeu, en fait. Donc, je vais poser ça ici. En fait, je crois que je vais rester dans le jeu en étant accroupi tout le long. Parce que c'est... Qu'est-ce que c'est? Putain, l'heure, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? False. Mais en fait, il était... Ah putain, ils sont partis où les trucs? Ils ont disparu? Oh non, merde, me dis pas que ça retourne à... Ah, il y a un bouton, là. Qu'est-ce que j'ai touché? Ah, j'avais pas vu le tableau sympa aussi en haut. Je veux me relever en fait. S'il te... Mais je m'en fous de ça, putain. Relève-toi, merci. Magnifique blatte. Viens là, toi. Je peux pas l'enlever. Alors, un carton avec de la merde à l'intérieur. Des cassettes. Il y a un magnétophone juste là. De l'alcool, c'est ça, peut-être? Du whisky. Ah bah bravo le prêtre, bravo. Comment dire, okay, pourquoi j'ai pris ça en main? Qu'est-ce qui m'a... C'est pas moi. Oh putain, c'est... Putain de merde! Qu'est-ce que tu fous là, toi? J'étais en train de me dire, la statue, elle a disparu.
Wow, il y a des... Oh, les sons. Vas-y, il y a des bruits, mais juste... Flippant. Vas-y, qu'est-ce que... C'est tout qui tombe, là. En fait, c'est ça, la croix me sert complètement. Pardon? On me parle? Qui me parle? Là, ça. Il y a un truc à faire avec ça. Putain, mais il y a des... Oh non! What? Nani? Oh le... Putain, il y a une tête de cochon sur le Jésus. Pardon? What est-ce? Waouh. Oh bordel. C'était le prêtre? What? Vas-y, va des rétros, saleté de naze. Qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Putain, mais en fait, c'est flippant. Qui es-tu? Ok, je me suis pris une chaise dans la gueule, visiblement. Waouh. Ah d'accord, je me retrouve déjà au bureau. Mais en fait, j'ai absolument rien élucidé de ce qui s'est passé, là, j'ai pas compris. Okay. C'est pas grave, on va lancer le chapitre 2 direct. Ok, donc me voilà du coup. Mais je suis où? Je suis où en fait? C'est quoi ça? De la bouffe? Non mais il y a quoi là-dedans? Alors il y a un sandwich qui est visiblement. qui est visiblement en vie, hein? Qui est là depuis un bon moment apparemment. Ah, c'est des donuts. Ok, donc déjà une chose est sûre, c'est que je ne suis pas dans un truc de police. Puisque les donuts sont encore là. Hein? Ça c'est quoi, du sang? Ah d'accord. Ah j'ai récupéré l'attirail du parfait exorciste en fait. Oh, ah ta vite, faut que je retienne ça. F4 D2. Ok. Est-ce que ça aura un rapport avec le reste? Des couloirs vides? Des menottes? Mais je suis dans quoi là? Ah là il y a A6 C1. Putain merde, c'est quoi les deux autres de tout à l'heure là? Ok, ils ont des tatouages chelous. Donc j'ai A6 C1 et F4 D2. Merde. Ah putain, je m'en sors pas avec ces putains de mouvements. Quelqu'un veut jouer aux échecs avec moi? Ah, c'est la position des jeux de... Voilà. Ok, et comment je fais à savoir les lettres en fait là-dessus, moi? Qu'est-ce qui est F4? Qu'est-ce qui est D2? Qu'est-ce qui est... Oui, ça va, tais-toi là-bas. Ah putain, c'est... Ouais, en fait c'est marqué. Alors... Bordel de merde. Alors, F... Non. Là. Merde, Alou. Putain, j'ai tout laissé là-bas. Mais quel con! A6, C1. Oh, je ne sais pas. C1. Ok, ça a servi vraiment à quelque chose, en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, vous avez bien compris que je n'ai rien compris. Si j'appuie... Mais il est...
Pardon? Et j'ai aucune indication de... C'est une farce. Ça fait 10 000... Comment ça, je te vois, détective? Ça veut dire quoi, ça? C'est un cœur que j'entends battre ou c'est juste des pas? C'est toujours verrouillé. Pardon? C'est où? Qui est là? Qui m'appelle? Ok. What the fuck? Évidemment, ça s'ouvre vers moi. Putain, mais c'est une connerie de porte. Salut? Pourquoi elle a des cornes sur la tête dans l'ombre? Pourquoi est-ce que tu as des cornes sur la tête? En ombre. Wow, 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 wow. Hein? Elle est où? C'est une blague. C'est une blague. Elle s'est transformée en crapaud? Mais dis pas, faut que j'attrape le crapaud comme... Wow, wow. Ça rétrécit autour de moi. What the fuck? Ok. C'est un labyrinthe de... C'est ça? Ah, sa mère! Tac. Ça a rien fait? Ah oui, d'accord, il faut utiliser deux fois. Putain, mais ils ont pas compris que les labyrinthes, c'était la... C'est quoi cette masse noire, là? Ah, con de ta mère! Putain de... Tiens, moi je t'éteins, là. Tiens. Ah, j'ai pas besoin de ça, ok. Vas-y, moi j'avançais avec ça dans les mains. Putain, on peut pas avancer avec le truc ouvert, quoi, sérieux. Waouh. C'est pas un asile de fou, là. Ok. Salut, salut les gars. Non, 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 vous ne me touchez, vous ne me toucherez pas. Sans déconner. Ok. On va reposer ça, on va prendre la lampe. Hein. Pas beaucoup, parce que ça éclaire sur les murs en fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Un bisou? Tu veux quoi en fait? Est-ce que tu veux que je t'arrose avec... Ça par exemple? Ah ah, tiens dans ta gueule! Tiens, tiens, merde, tiens! Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Il faut que. Ah, ça me permet de. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais en fait là? Et je vais balancer un rayon laser après, c'est ça? What? Mais qu'est-ce qui se... Putain de bordel de cul. Tu vas mourir. Wow, 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 wow. Ah oui, d'accord, ça fait de la lumière.
Ouais, elle est puissante ce truc. What the fuck? Ah, c'est des petits papillons. Non mais... Qu'est-ce que tu fous là? Alors voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors... C'est la fin de la vidéo, c'est pas moi qui ai décidé de m'arrêter là, c'est le jeu qui a décidé de planter tout simplement. Si ça vous intéresse, j'essaierai de faire une suite, sachant qu'il y a donc 5 épisodes. Donc en fait l'histoire s'étale sur 5 épisodes. Si vous prenez que le 1 et que le 2, vous n'aurez jamais la suite. Chaque épisode ne va pas, c'est pas un épisode par histoire, en fait c'est vraiment toute une continuité, d'après ce que je pense. Il y a qu'entre les bruits qu'on entend autour, l'ambiance, on sent qu'il y a une espèce de truc pesant sur nous, et c'est vraiment angoissant, c'est plus angoissant que flippant. Honnêtement c'est un petit jeu qui date il y a quelques temps maintenant, mais je le conseille vraiment. Donc n'oubliez pas, si vous souhaitez vous abonner, c'est toujours ici, ça bouge pas en fait, hein, le petit truc il restera toujours sur ma droite. La vidéo précédente restera toujours sur la gauche, juste ici. N'oubliez pas si ça vous a plu de mettre un petit pouce en l'air et d'activer la cloche des notifs, comme ça vous savez quand est-ce qu'il y a une vidéo qui sort. Voilà, en attendant je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.